Rebonjour, c'est moi, Little Dragon Productions. Et bon, on va attaquer la deuxième partie de l'update pour le Seigneur des Anneaux. Voilà, alors j'ai décidé de faire les Lego Seigneur des Anneaux. Et puis j'avais fait plusieurs commandes, trois, une en Amérique, une en France et une en Allemagne, pour réunir les pièces. Voilà. Et je suis arrivé à ce résultat. Alors, j'ai fait 10 orques avec des armes plutôt variées, des épées, des lances, des sabres et des haches ici. J'aime bien leur tête aussi, deux sortes différentes de têtes. Voilà, j'en ai fait 10 et j'ai fait le 11e avec une tête différente et un corps différent aussi. Parce que c'est Lurtz, c'est le chef, c'est son nom, Lurtz, dans la fin du premier film du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, pardon. Il attaque la communauté à la rivière, j'ai un petit trou de mémoire pour le nom. Bref, et justement, il a un sabre comme ça, avec un arc noir. Voilà. Bref, et maintenant, la partie dont je suis le plus fier, c'est la communauté. Alors, en premier là, c'est Sam, avec une cape custom. Juste à côté, Frodon. Je vais enlever ça, vous verrez mieux. Voilà, Frodon. Là, Pipin, à gauche, avec la cape custom aussi. Et à droite, Merry avec la cape verte. Ils ont le même torse, mais je les trouve très différents quand même. Bref. Juste derrière, il y a Gimli, le nain le plus célèbre du Seigneur des Anneaux. Bras marron, torse marron, jambes aussi, main jaune aussi, le casque cuivre. J'ai fait une hache custom aussi. Voilà, je trouve pas mal du tout. Et pour la tête, alors la tête c'est très spécial. Donc la barbe est des deux côtés. Comme ça. Et pour la tête, attendez. Voilà. Pour la tête. C'est une barbe rousse comme ça. Et je trouve que ça correspond bien avec Gimli. Quand on le voit sans le casque, c'est exactement ça la tête. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. La hache qui est là. Voilà, elle est belle la hache aussi. J'aime bien. Voilà. Derrière, on a Aragorn. Il a rien de custom, lui. Le carquois noir. Une épée light grey. Cheveux noirs. Tête avec un peu de barbe. Des cheveux en. Des épis, on va dire. Un beau torse et des belles jambes. J'aime bien. Ça va bien ensemble. Et une cape noire. Voilà. Ensuite, on continue avec mon personnage préféré, Legolas, qui c'est le premier que j'ai fait. Voilà. Alors, cheveux blonds avec les oreilles pointues, comme on peut voir sur le côté. Ça, j'aime beaucoup. Une tête avec aucune expression sur le visage, à son habitude. Un grand arc et avec une cape d'aventurier et un torse. Identique. Dark green. Voilà. Gris foncé. Je garde Boromir pour la fin. Gandalf. J'aime bien aussi. Tête normale, mais chapeau bleu, il n'y avait pas de chapeau gris. Barbe. Épée chrome gold. Et avec un bâton que j'ai customisé aussi, que je trouve pas mal du tout. Torse, jambes et cape non customisées grises. Voilà.
Et pour le bâton, quand il émet de la lumière, j'ai trouvé ce système-là que je plante sur le bâton comme ça, et ça fait la lumière de Gandalf, notamment dans la Moria, quand il se bat contre le Balrog. Bref. Et le personnage final, sûrement l'un des moins importants des neuf marcheurs, mais que j'aime beaucoup quand même, il meurt très honorablement. Boromir, cheveux orange, expression du visage plutôt joyeuse, un torse et des jambes que j'aime beaucoup. Le bouclier non custom mais qui correspond bien au sien. Une épée comme celle d'Aragorn, Pearl Grey. Et derrière, une cape marron. Il a une cape marron, cheveux orange, voilà. Normal, je trouve. Donc, eh bien, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé les deux parties de cette update. Et puis, bonne journée ou bonne soirée.